أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني شابان concernant Kiban façon, maintenant tu peux empêcher Dawa, empêche Kalima la ilaha illallah, empêche message de l'islam al de l'avant, empêche Rasul sallallahu alayhi wa sallam faire Dawa. Donc le sujet numéro 1, c'est qui je dernière image Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet, comment dire, il y a une société, les fous, bien monter les gains, etc. Ça, première étape. Deuxième étape, c'est qui nous suggère quand Rasul Sam fait venir devant Kaaba, quand il peut lire le Coran, je participe les ben Jimoun, vin à l'entour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit capable d'écouter le Coran. Troisième, nous suggère, c'est qui je fin persécute ben Sahaba. Ça veut dire que je peux battre. Je te donne un exemple comme Bilal ibn Abi Rabah, Khabbab ibn al-Arad. Et nous disons dans sa troisième phase là, il y a même Ben Sahaba qui fin trouve l'amour. Par exemple, Yasser, par exemple, sur Madame Soumaya, radiallahu anhuma. Et Sabana, Soumaya, c'est parmi Ben, tous les deux, c'est parmi Ben, premier moitié de l'islam. Et c'est Ben esclave. Quatrième, je finis essai approche avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce tcha Abu Talib pour qu'il est capable d'enlever sa, comment dire, une protection order. Qu'il a le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je peux essayer d'enlever sa protection order là. Cinquième, c'est je finis commence brutalise Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je torture lui-même. Il y a une autre expliqué. Ça veut dire, je peux battre lui, je peux étouffer. Je te fais tranquille et nous trouvons qu'il parle devant encore à plusieurs reprises pour une ce qu'on appelle tentative de meurtre. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sixième master, aujourd'hui on arrive, sixième. Sixième, là les bons nous comprennent une affaire. Ça veut dire, je finis, essaye par tout moyen. Ça veut dire, commencement, tu verbal, après ça, les finis sortis ça, les finis vin physique. Après ça, quand je n'ai plus capable, qu'est-ce que je vais faire? Je dis comme ça, chaque fois, ça veut dire que je joins dans la room de doigts et aussi je tiens avec les autres classes que je joins dans la classe. C'est chaque fois, vous êtes, ça vient un grand issue. Qui peut faire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Et là, il faut nous comprendre une affaire qui soit côté Ben Kafir ou soit côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faut nous comprendre une affaire. Pour tous les deux, quelque chose qui est plus important dans la vie, c'est la religion. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, presque à l'imam, la ilaha illallah. Pour eux, malgré qu'ils soient idolâtres, ils soient ados, idoles, mais seulement pour eux, la religion est plus importante. Là, ils vont nous comprendre pour ça bien. Et eux, ils finissent la guerre pour ça. Ça veut dire, ça va être mouchri, Quraysha. Et en premier là-dedans, c'est Abu Jahl. Donc, maintenant, ils ont une joie, ils ont causé, Tiena, en parmi Utba ibn Abi Rabi'a, en parmi ben chef Quraysh, Utba ibn Abi Rabi'a dit, il était considéré comme un djimoun qui sage, qui est intelligent, dans sa époque là. Il dit, ben là, comme ça, ben, laisse-moi aller, moi, je cause avec lui. Il dit, peut-être il amène quelque chose qui lui peut rouler, nous, pas en donner. Et là, il nous comprend une affaire là. Ben là, je n'acceptais pour joindre ensemble. Quraysh, ça veut dire, plusieurs clans, plusieurs tribus. Juste pour combattre l'islam, ça, les bons nous comprennent ça bien. Allah Ta'ala mentionne par exemple dans le Coran, Soum Bainahum Shadid. Allah Ta'ala dit comme ça, normalement, ben, l'ennemi de l'islam, c'est tiraillement qu'il y a entre eux. Les bien lourd, les bien sévère. Mais seulement, il y a un grand, grand tiraillement entre eux, mais seulement, quand pour la guerre contre l'islam, je vous en ensemble. Et exactement, nous trouvons banal, je fais ça même là. Qu'est-ce que je fais? Numéro 1, c'est de dire comme ça, peut-être qu'il y a un peu de casse. Il veut viser la richesse, il veut viser l'argent. Nous c'est proposé ça. Ou soit, si il est roi, capable, ou soit, il veut viser
Il contacte une madame lui identifie pour moi. Donc pendant que tu fais, tu n'avais Ogba ibn Rabia pour vinget Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens vinget Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ni dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous tenons un grand grand espoir l'autre. Nous tenons un grand grand espoir l'autre. C'est-à-dire avant les choses avant Rasul pour pas ça. Message là ouvertement, ni dire te fin divise nous. Ça veut dire une partie du monde qui finit accepter l'islam et une partie qui finit rejeter l'islam. Ni dire Rasul comme ça. Jamais au fin tout, ça veut dire te fin te quand tu as un flop total. Ni dire ah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ni dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a toi? Est-ce que tu peux penser qu'il te meilleur qui te ben ancêtre? Qui te meilleur qui Abdul Muttalib? Et là, il nous dit, valeur actuelle dans Maca, Abdul Muttalib finit mouli. Mais c'est pas une grande légende pour Banna. Pour Maca, et même nous allons dire, un petit peu entier le monde. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il finit découvert, puis Zamzam. Il finit redécouvert, puis Zamzam, puis Ibrahim, alayhi avec Ismaël, alayhi salam. Là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire ça au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va nous comprendre une affaire. Nous tous connaissons qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est beaucoup. Nous ne sommes pas capables de comparer Abdul Muttalib avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, une autre affaire qu'il nous vient comprendre avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sagesse Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il tient dans Dawa. Rasoul sallallahu pas répondu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il pose Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui te pense, tu plus meilleur qui Abdul Muttalib, toi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non. Qui fait? Parce qu'il appelle ça une question piège, ça, une prop question. Ça veut dire, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux répondre, pour zut, ça veut dire, dans zut, zut équation, dans ben courage, zut équation, dans zut la tête, puis il n'y a personne qui meilleur qui Abdul Muttalib, ça veut dire, dans zut ben ancêtre, ça veut dire, qui plus près avec zut qui finit fake mot, comme on nous dit là. Et pour zut tout le temps, ça veut dire, quand un chef tribu, tout cela finit mot, jamais ces enfants pouvaient être équivalents à lui. C'est une conception, ça, une façon de penser. Donc, il finit de ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il finit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit. Il commence à s'imposer par derrière, comme on dit, il pète à lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas causer à ce terme. Rasul sallallahu alayhi wa sallam commence à causer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lire Sourat Fussilat avec lui. Rasulullah commence à lire Sourat Fussilat. Et là, Rutba ibn Rabi'a, lui, jamais, lui finit en émerveillé. Lui finit, qu'on est, et je te connais différencier qui appelle poème et qui appelle ce qui n'est pas poème. Ça veut dire, connaît, il y a une autre affaire, lui. Mais ça, il connaît ça, il n'est pas poème. Et le temps, Rasulullah peut continuer, peut continuer, peut continuer. Jusqu'à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam commence à mentionner un peuple auparavant. Kuma Ad, Kuma Thamud. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détruit sa ben peuple là. Mais quand il arrive, sa ayat Qur'an, il a dit bon, nous comprenons une affaire. Bana zut, malgré zut, c'est kafir, zut, c'est mouchik. Et Rutba ni, ni fin mot de la guerre, but, comme un kafir, comme un mouchik. Mais c'est moi qu'on nous dire, c'est qui s'agrandit. Aujourd'hui, nous trouvons l'imam de Ramadan, peut venir, peut être à Rawiem, nous pouvons écouter tout le grand grand corps, mais c'est moi qui maintenant n'ai pas fait l'effet l'eau, n'ai pas fait l'impact l'eau nous. Qu'il fait? Il levait depuis de sa place, il sautait. C'est-à-dire ça, il sautait pour qu'il était là. Pour qu'on a, quand on dit qu'on a fait une bouse, il fait une bouse sur les quais. Jusqu'à qu'il est venu, il prend sur la main, il met devant la bouche Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, assez, assez. Nizia, pour relation qui nous est née, c'est-à-dire, nous disons dans ma case, je suis tout désavantagé, famille, ça n'a rien qu'à pas finir de se passer, cinquième grand-parent, le cas, sixième grand-parent, etc. Et je suis tout ce connais, l'eau, ça n'a rien fait qu'on a dit, nous dire, il y a un cousin avec moi, l'eau, c'est pas deuxième génération, ça n'a rien, l'eau, quatrième génération, ça n'a pas l'eau, cinquième génération, septième génération, je suis connais, je suis une famille comme ça. Et aujourd'hui, ce qui m'a l'air, aujourd'hui, fait qu'on a dit, nous dire, Modada, ce frère, ce même enfant, nous pas connais. Nous tous, nous comme ça, nous allons aujourd'hui. Parce qu'il vient, nous pas finir prendre. Ces affaires qu'ils appellent familiales là en considération. Donc, il est arrivé, il bouge sur la bouche et il retourne. Après ça, il dit Rosanga, arrête, arrête la même. Les gens Rosanga, parce attention, qu'ils ont couru, ils ont dit, gars, sa malédiction, comment Allah subhanahu wa ta'ala, pas dire Allah ta'ala a vraie malédiction de nous. Il y a un pire ça, là. Ça veut dire, qui on a envie de montrer aux autres, c'est qu'ils nous appellent l'impact Coran, l'eau, la vie indigne. Ça finit d'impacter directement l'eau sur lesquelles il y a une mouchrique.
Astien, l'État il retourne avec ce peuple, il dit maintenant comme ça, l'État Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin causé, il dit maintenant comme ça, et laisse-moi ma tranquille Astien. Il y a là avec maintenant, pourtant il n'y a pas d'amener l'imam là. Il n'y a pas d'amener l'imam là. Mais c'est moi qui dis maintenant, il dit maintenant, laisse-le tranquille Astien. Il dit maintenant, si arrivé, les causes menti, d'une façon nous payons pour deal avec lui, ben les autres bien pour penser ça, ben là pour finir tu lis comment nous payons indirectement, nous payons ça maintenant là. Il dit c'est moi, si les fins causent vrai, ça y a qu'on nous la roue chaîne. Un grand, il paraît qu'il pouvait un grand du monde, ça. Ça veut dire d'une façon, il pouvait gagner l'Arabie, il pouvait contrôler l'Arabie, il peut finir qu'on ait créé un prophète, même lui. Donc, ça, c'était une autre façon qu'ils ont fini la guerre pour combattre l'islam. Et une autre façon, encore, neuvième façon, c'est qu'ils décident pour, quand sa proposition n'a pas fini, mais aussi les films proposent Rasulallah, les rois, les films proposent Rasulallah, madame, les films proposent Rasulallah, casse. Donc, tout ça là, on s'en fait de réviser. Et là, c'est Rédia, par exemple, il dit oh, Abou Talib, bien, tu Rédia, encore, il dit je prends le soleil, je mets dans mon armée droite, je prends la ligne, je mets dans mon armée gauche. Mon pas pour renoncer, pour lire Kalima, c'est-à-dire montrer, continuer, montrer du monde, Kalima, la ilaha illallah. Et il dit maintenant tout, c'est qu'il y a là, t'as là pour demander plus qu'il y a soleil, qu'il y a, plus qu'il y a soleil, plus qu'il y a la ligne, plus qu'il y a ce qui est une profession que je peux dire moi. Après ça, gagner. L'étape que je viens de faire là, je devrais faire conseil encore, après une époque encore, je calculais. Je dis avec Rasulallah, ça. Nous faisons un compromis, nous te mettons d'accord. Nous divisons religion en deux. La moitié pour moi, la moitié pour toi. La moitié pour moi, la moitié pour toi. Qui veut dire ça? Ça veut dire toi, tu viens avec nous. Une année, toi, tu idole ensemble avec nous. L'autre année, nous pourrons adorer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble avec toi. Il y a là, Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Qul ya ayyuhal kafirun. Dieu au ben kafir, la abudu ma ta abudu. Mon pas ado, c'est qui? Je t'adorais. Et je dis, je pas ado, c'est qui? Mon adoré. Et mon pas pour ado, c'est qui? Je voulais mon adoré. Et je pas ado, c'est qui mon adoré? La koum dinu koum wal yadin, je dis pour je et mon dîn pour moi. Ça veut dire, là qui m'est arrivé, les bons nous comprennent bien à ce qu'il y a. Et dans beaucoup de monde, quand nous bouguettes nos relations avec ben kafir, nous avons des extrêmes avec un humilié. Il y a des extrêmes avec un qui lit, comment on dit, il prend un kafir là comme son camarade intime, pas un droit d'ordine. Tu as le droit de faire camarade avec lui, tu as le droit de faire camarade avec lui, mais c'est pas sous une certaine limite. Mais c'est pas, il ne faut pas devenir intime avec toi, parce qu'il ne dit pas Amen, Iman, lo Allah, avec ce ban, prophète. Et c'est la même petite chose. Allah t'a dit comme ça, mais meilleur camarade qu'il y a, Zoukaïman, je vous vis le plus grand ennemi qu'il y a. Et Allah va mettre une seule exception. Exception qui était Ben Moutakrin. Moutakrin qui ban, c'est Ben qui a iman. C'est-à-dire tout Ben musulman. Qui quelque chose qui se joint nous ensemble, c'est iman. Nous pas de race, nous pas de couleur, nous pas de ça, un grand partout, petit partout, ça, un caspé, un casse, statut social, tout ça nous met à un côté. Premier quelque chose qui nous guette, qui ça, qui vient faire vivre frère avec moi, qui quelque chose qui unit moi avec lui, c'est iman. C'est ce qu'on appelle la foi. Ça un grand quelque chose terrible ça et plus grand cadeau qui un djimoun li capable gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'iman billah. Ça même plus grand action qu'il y a dans la terre, plus une plus grand action qui ça. Après ça toujours faire venir les restes. Donc nous avons un cadeau djimoun qui vient faire lui fin prendre comme camarade intime. Ça veut dire souvent tu vas dire ha et plutôt ben kafir là qui ben discalé dis toi tout musulman dis toi avec sur la bouche tout dit. Plutôt, c'est un kafir qui est musulman. L'oublier, c'est ce qu'il appelle l'aspect iman pour lui. Il ne connaît pas ce qu'il appelle ça. Ça veut dire qu'il prend le banan et il a même dit que j'ai fait un peu de temps à faire franc. Tout mon camarade, pas musulman. Tout mon camarade. Ça veut dire pour lui, si tu es un musulman, tu ne vas pas venir camarade avec lui. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit Al mar'u ma'a man ahabba. Un djimoun ni zoukama dit pour lever avec ce qu'il est content. Si tu es content Allah avec ce prophète, avec ben musulman premier, tu voulais avec Zouk Ayman. Si tu n'es pas content maintenant premier, tu n'es pas pour avec Zouk Ayman. Fais attention. Donc ça nous gagne un extrême. Mais il y a un deuxième extrême à ce un deuxième extrême, ni qui lui fait lui, ça veut dire si tu es bon, nous comprenons une affaire à ce nous avons une certaine relation avec Ben Kafir. Tout hukouk al-insaniya, tout ben droit humain qui est un kafir et n'a l'islam fin d'un jeta. Ça, ni bon nous comprendre si bien. Ça veut dire, fait comme on dit, nous disons un misère. Quand nous disons un misère, nous avons le droit de donner soit d'accord. Nous pas guetter un voisin, par exemple, dans nous disons un corona, etc. Un djimoun qui
Il pas pourquoi pas travailler, il y a un problème, etc. L'islam dit aller à Getli. Et ça, il montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont pour gagner là-dedans. Il montre qu'il y a Mahasinul Islam, il montre qu'il y a beauté sa dina. Qui dit, il va pas de Torah, il va pas de Torah, il va pas de religion, même tu n'es pas content à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas payé à Dieu à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam fait montrer pour Getli. Donc, ça, nous pouvons gagner. Donc, ça, c'est Wasatiyah. C'est l'islam comment il était. Mais il y a un autre aspect qui est fait, il dit, non, ça, ça veut dire qu'il dit comment nous dire, il fait tout la peau qui est là. Ça veut dire qu'il n'est pas gagné. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui l'apôtre fin ouvert, qui l'apôtre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui l'apôtre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin ouvert pour banna, qui l'apôtre fin fermé. Il y a certaines choses qui nous supposaient, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous vous trouvez pas devant. Même parfois, tu n'as même qu'à faire, tu peux inviter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aller manger qu'aux autres. Donc, ça veut dire que ça veut dire quelque chose, tout ça, il y a une base, il y a une hadith, il y a une affaire. Donc, nous supposons suivre le salani, kitab ou sunnah là. Donc, il y a trois, il y a deux extrêmes avec N au milieu. Banna zot, Dîn qui finit montre nous, c'est tout le temps pour God, ça traîne là. Et concernant la religion, c'est la comme nous, comme on va dire. Concernant Allah, ce prophète, nous prenons la concession. Il nous prend des exemples à terre. Qui nous pas faire concession. Par exemple, là, Banadia, comme ça, Beget, ça, c'est tout est là, c'est pas cette terre. Je suis toujours adoré, je suis bon Dieu. Ça veut dire, nous demandons à la terre, doit lever le coronavirus. Nous dit pas de montrer nous ça. Ça haine. Deuxième, nous avons trois liens, nous connaissons pas qu'on va faire namaz. Grand matin, les soleils peuvent lever, les avoir. Et le soleil peut coucher. Ça dit là, le soleil peut lever, le soleil peut coucher. Un des ben hikmas, sagesse qui est là-dedans, c'est que ça dit là, il y a beaucoup de religions qui sont adorées au soleil. Quand le soleil est levé, quand le soleil est couché, ils sont adorées ça. À cause de ça, l'islam empêche nous pour faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un texte clair là-dedans. La koum dit nous koum, ou alia dit nous pour nous, et nous dit pour nous. C'est-à-dire, nous nous adorons un seul Allah, c'est lui qui finit. Ciel. Et nous, quand nous avons un contact, nous pas besoin à travers pour mon père, par contre mon père là, qui pensait qu'il m'a fait faire tout ça là, il est là, il vous dit pour agir comme un intercesseur entre moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Contact là, lit direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'autre chose à se dire, qui m'a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que je te demande le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse un miracle. Par exemple, qui veut dire miracle, première affaire. Donc là, nous comprenons une affaire. Quand nous lisons le Coran, nous tous connaissons le Coran, et la surah après la ayah. Ayah, qui veut dire ayah? Nous traduisons littéralement comme ayat. Ayat, pas veut dire ce que nous disons ayat là. Ayat, sous traduction, veut dire miraculous sign, ben signe miraculeux. Ça veut dire chaque ayat Coran, c'est un signe, c'est un miracle, des miracles en lui-même. Ça m'aurait dit, chaque ayat Coran, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, un miracle des miracles en lui-même. Ar-Rahman, Ar-Rahim, un autre miracle des miracles. Comme ça même, prend depuis Surah Fatiha jusqu'à fini, nous avons un miracle des miracles là dans nous l'armée aujourd'hui. Mais c'est moi qui n'ai pas nous ne connaissons pas ce. Donc ça veut dire, un miracle veut dire aussi, c'est une petite chose extraordinaire qui ne trouve pas de capacité insane. Nous veut dire, un miracle veut dire, c'est une petite chose qui, insane, peine la capacité pour faire ça. Nous prenons l'exemple à ce terme. Moussa et Sam finissent ouvert la mer. Risa et Sam finissent lever du mot. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une capacité pour ouvrir la mer? Personne ne va faire ça. Et personne ne va peut-être pas faire ça. Est-ce qu'il y a un docteur qui dit qu'il y a un mot? Il n'y a pas personne pareil. Donc, ça, ça veut dire, il n'y a personne de capacité sans personne ne va. Ça premier. Et nous pouvons tout le peuple, tout le prophète, quand je fais une vie vers le peuple, je peux petit dimanche, je ben mot disant, ben montre-nous, fais un miracle, montre-nous qui te vient depuis. Il est allé qui courait, je fais une demande, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, là, c'est ce miracle-là, il accompagne avec un challenge. Il accompagne ce miracle-là avec un challenge. Ça veut dire, allez, essayez tout ici, faire pareil. Par exemple, Moussa, ça me fait ouvrir la mer. Est-ce que tu as ouvert la mer, toi? Toi, pourquoi pas. Tu peux venir si elle pense venir un vrai si elle pense pas sorcellerie, non, il n'y a pas quelque chose qui dit que tu peux trouver visualisé, mais dans la réalité, il n'y a pas ça. Donc, ça veut dire un miracle, c'est quelque chose qui pas trouve de capacité insane. Deuxième, ce miracle-là, il est accompagné avec un challenge. Et ce miracle-là, il est une preuve qui s'est dit qu'il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, quatrième, un miracle, li, ça veut dire pas prophète-là quand il a envie de faire ça. Un miracle, quatrième, c'est pas quand un prophète lui a envie de faire ça. Non, il faut dire Allah subhanahu wa ta'ala donne permission. Et nous trouvons, par exemple, Moussa alayhi salam, les fins ouvert la mer, les fins traversent l'autre côté. Les fins traversent l'autre côté de la mer, les fins aller. Les fins traversent l'autre côté, les fins aller. Allez, mon toi.
Les fins traversent l'autre côté, les fins aller. Mais c'est moi, nous trouvons même Moussa alayhi salam quand les fins voyagent avec Khidr. Les fins traversent là-bas, les fins voyagent par bateau. Ça veut dire d'une façon que les gens pas réouvrir la mer. Non, ils n'ont pas trop de contrôle ça. Même miracle les fins faire là, si malgré qu'ils lisent les fins faire là, ils n'ont pas trop dans son contrôle. Maintenant, pour les gens qui demandent, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh qui demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour faire ben miracle. Donc nous vous gagnons dans surah Isra, ayat 89. Surah Isra, ayat 89, je dis قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Je dis comme ça, nous ne pouvons pas mettre iman l'autre jusqu'à qui te fasse la terre, te faire nous gagner comme un réservoir ou soit la fontaine. Donc je dis, man, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fontaine. Je finis de demander Rasoul sallam un jardin. Je finis de demander parce qu'il m'a cati désir complètement. Je finis de demander Rasoul sallallahu alayhi wa sallam gagner un végétal. Je finis de demander Rasoul sallam comme ça, déjà Allah donne nous un pire régime, nous parmi l'iman. Je finis de dire Rasoul sallam comme ça, faire un la rivière, va dire qui coulait, qui fleut à l'aînée dans Makka. Je finis de dire comme ça, ou soit faire les ciels tombe l'eau nous. Faire des ciels, comme l'eau, c'est-à-dire les ciels ouverts, pareil comme un peuple avant, ressemble un petit peu à Minazut parfois avec ça, comme on le fait mentionner, d'aller là dans Surah Fussilat. Et je suis dire, quand je suis dire, je suis arrogant, je suis dire, ben, même tu peux insulter le Coran, tu peux insulter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et je peux dire, amin Allah ta'ala avec ben ange, comment un tribut. Ou soit je dis, donne-nous une la case en l'eau, ou soit faire monter sa femme en l'eau. Ou soit mot dans les ciels, ou soit amener un lit depuis dans les ciels. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses évidemment. Tout ce qui m'a fini dans ce là, je vais lire, c'est-à-dire surah 17 à partir de l'ayat 89, je vous gagne tout ce qui m'a fini dans ce là. Surah 17, surah Al-Isra, à partir de l'ayat 89, je vais lire jusqu'à Paza des net, je vous gagne tout ce qui m'a fini dans ce là. Allah Ta'ala finit amener ça dans le Coran. Et n'a pas un prophète qui finit venu, excepté qui ce peuple qui demande lui pour faire miracle. Et n'a pas. Et là, il faut nous comprendre une affaire. Quand Rasoul Salam, je suis dit, pour faire un miracle, il n'a pas de l'infiacement. Pas mal, c'est que tout le temps, il n'a pas fait l'infiacement. Par exemple, nous voyons deux courants même encore dans Surah Qamar. Allah a dit, Ikhtarabati Issa'atu wa nshaqqa al-Qamar. Quand une fois, je suis dit, Rasoul Salam, pour faire un miracle, Rasoul Salam, pas connaît qu'il est pour faire. Jibril Salam, Allah a fait envoyer Jibril Salam pour descendre. Jibril Salam, il montre la lune et la ligne, il est ouvert. En D, ça veut dire qu'il y a une colline, comme on dit, l'état malin fait une colline là, de toute la moitié de la ligne ici, l'autre la moitié, l'autre côté de la moitié, ça veut dire au milieu nous gagne sa colline là. C'est-à-dire, l'air fin approcher Kriyama fin vin près, et la lune fin être fondue. Premier ayat même, nous pour gagner. Donc, ça veut dire, la plupart du temps, Allah Ta'ala, qui fait Allah Subhanahu wa Ta'ala, là, il nous comprend les affaires. Moussa Sam, nous connaissons ce miracle qu'il peut faire. Les types faire, ce bâton, tu peux venir serpent. Nous connaissons, tu peux prendre sur la main, il met en bas sur ses épaules, sur la main qui vient, sur la main, vient brillant. Nous connaissons qu'il réussit à aller salam, tu peux guérir Benjamin qui est aveugle, tu peux guérir Benjamin qui est dans la lèpre, tu peux, par bien mission à Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux tirer Benjamin depuis le bazar, tu peux ramener les autres, l'eau, la terre, ça veut dire Benjamin qui mort, tu peux faire les autres revivre. Qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala li, nous pas, quand nous pouvons l'avoir sur salam, nous trouvons que Moussa salam ni quand les types sur bâton, tu peux venir serpent, nous connaissons que plusieurs fois les types faire ça, c'est un signe pour lui. Nous gagnons Isa alayhi salam, quand nous disons les types lèvres avec, quand on dit c'est un signe pour lui, c'est un miracle. Rasoul sallallahu alayhi salam, ça veut dire que dans les autres, tu peux faire ça miracle là souvent. Mais Rasoul salam, quand nous pouvons sur l'histoire, nous pouvons gagner un miracle qui ressemble chaque fois que tu peux faire ça. Pareil comme ça mène le prophète avant. Qui fait? Là, il faut nous comprendre une affaire. Chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend, Allah Ta'ala, tu descends un prophète là, ça veut dire c'est une petite chose qui peut influencer sur l'environnement, sur la culture, sur la façon de vivre, sa prophète là, dans l'époque qu'il est venu. Nous prenons l'exemple encore, nous revenons. Moussa alayhi salam, dans son époque, ça veut dire l'environnement, nous prenons nous l'époque avant tout. Dans nous, l'époque à cela, nous donnons le monde science et technologie. Ça veut dire aujourd'hui, nous causons, tout à fait nous causons, portable, laptop, iPad, nous causons concernant le transport moderne, vite. Nous cause avion, nous cause métro, ça veut dire tout ça fait c'est ben mode rapide et tout ça là, il y a allé les bouger par ce qu'on appelle technologie qui Allah Ta'ala fin faire cadeau à Allah Subhanahu wa Ta'ala fin donner ça insan. Chaque peuple Allah Subhanahu wa Ta'ala t'y donne une petite chose cadeau. Chaque peuple Allah Subhanahu wa Ta'ala t'y donne peuple là une petite chose cadeau. Donc Moussa alayhi salam
Dans toute l'époque, tu n'as seulement la magie qui tient en place, qui tient infestée partout. Ça veut dire, un djimoun, lui, si il y a un problème avec madame, il va guetter un sorcier. Un djimoun malade, il va guetter un sorcier. Ça veut dire, plus beaucoup d'affaires, tu peux rouler comme ça. Ça veut dire, pour montrer banna Astéa, qui, Moussa alayhi salam, c'est un djimoun, c'est un prophète qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala finit de jouer des affaires qui. Il est presque parallèle à la sorcellerie, mais ce n'est pas la sorcellerie, le miracle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, pour eux, et à cause de ça même, que quand Moussa alayhi salam, utilisait ce bâton, tout ben sorcier pharaon, et Nadia dit là-haut 30 000, tout ben sorcier pharaon, qu'ils ont fini de faire? Faire la roue sous Jada, je vais faire 6 d'apport à la sorcellerie. Qui fait? Quand je finis de ça avec je disais, je suis connu qui était, je suis ben, comment dire, ben maître de la sorcellerie, je même, je suis perdu au Satan, etc. Je connais, ça n'a pas sorcellerie, ça mine direct depuis. Allah soit à cause ça qu'ils ont tout fini faire indistinctement. Ne voit bien aucune exception parmi eux. Je tous fini à dans Sizda, je fini faire Sizda et je dis qawlu amanna bi rabbil alamin. Nous amen iman de rabbil alamin dans sourate Araf, rabbi Moussa wa Haroun. Rabb de Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Maintenant, tandis que dans Isa alayhi salam pareil dans seule époque qui chose qui qui domine sur l'environnement. C'est la médecine. Quand nous prenons l'histoire de Père Adam Salam dans l'Aziz Kakriyama, nous trouvons qu'il est plus grand. Mais le plus grand docteur, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la technologie concernant la médecine. Mais la médecine guérison, même nous payons. Parce que qui fait, Allah Ta'ala, tu fais une faveur aux autres. Allah Ta'ala, tu enseignes aux autres. Dans Bani Israël, Allah Ta'ala, tu donnes aux autres un cadeau. Allah Ta'ala, tu donnes, par exemple, Soleiman alayhi salam, il est capable de causer avec des animaux, il est capable de causer avec des pieds, il peut écrire pour chaque pied, il peut causer avec des pieds là direct. Il peut écrire un livre tout le là. Ce qui est mentionné par Ibn Kathir. Le type écrit, qui bénéfice qu'ils ont été là pour une chance? Chaque pied type de Jali. Ça veut dire qu'il finit connaître. Ça dit, mon aspirant, oui, mais il gagne, il gagne tel malade, tel malade, tel malade, tel pied, tel pied, tel pied, tel pied. Allez. Donc, comme ça, il commence à révolutionner ça, c'est ce qu'on appelle ça le monde scientifique côté médecine. Là. Quand Risa alayhi salam finit, lui, ça veut dire que le monde scientifique médecine, il est dans son pic là. À cause ça même, qui tient à une maladie, qui Allah subhanahu pas fin donne. Ce guérison insane, par exemple, l'amour. Un dit, mon personne n'est pas capable de faire des revenus. Allah Ta'ala, pour montrer tout à l'heure, dans la médecine même, qui vraiment, même, ça dit, il faudrait être un prophète plutôt capable de faire ça, un miracle. C'est Allah Ta'ala qui donne ça, Risa alayhi salam. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans son époque qui tient là, c'est dans sa société arabe là, quelque chose qui est plus important, c'est l'éloquence, le poème, la poésie. Et Allah Ta'ala, quand il finit de descendre sa Coran, il finit de descendre une éloquence extraordinaire. Et là, il faut nous comprendre les affaires. Ben, prophète, tu gagnes des affaires. Un, je te livre un côté, deuxième, je te miracle un côté. Ça veut dire, Moussa Sam, ce magique qui miracle qu'il peut gagner pour ben, Égyptien, Pharaon, etc. C'est, et là, ce bâton, un serpent, et que, il prend sur la main, il met en bas sur les bras, sur la main, brillant, vint brillant, éclairé. Risa alayhi salam, il gagne ce livre, Injil, et il gagne ce miracle. Ça veut dire, l'itipé guéri, ben aveugle, ben djimoun, qui n'a la lèpre, etc. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce que beaucoup de djimoun ne connaissent pas, l'ingé, tous les deux ensemble. Ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce miracle trouve dans ce livre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce miracle trouve dans ce livre. Ça veut dire, quand ben a quand je t'ai guéri, Coran, pareil comme un Omar. Pareil comme un Rodba, nous trouvons ça plusieurs reprises. Quand un arabe là, on dit, hey, ça vient depuis Allah. Je dis, je te mets avec la bouche. Je ne suis pas capable avec elle. Parce qu'il fait, je te comprends. Et là, il faut nous comprendre les affaires. Pour moi, Aster, en tant qu'un musulman, pour moi capable de comprendre, hein, faudrait qu'il me connaisse un petit guide courant. Si je ne suis pas capable, dis-moi, je ne suis pas connu courant, je ne suis pas connu arabe, je ne suis pas capable de découvrir la beauté là, pareil. Je vais donner un simple exemple. Un simple exemple, si je me dis, dans le Coran, Allah t'a dit, ouais, Rabbaka wa rabbaka fakabbir. Allah Ta'ala dit wa rabbaka fakabbir. Donc, qui n'avait là, nous trouve, je vais tout lire, moi je vais tout lire là. Nous pouvons dire Rabbaka, il finit par Rabbakabbir. Deuxième, nous avons ba, Rabbaka, après nous avons fakabbir, avant nous avons ba encore. Nous avons kaf là. Après ça, nous avons kaf ici, ici, du tout dans la moudathir, ça. Après, nous avons fa au milieu, nous avons un palindrome de langage, ça. Nous avons extra difficile de vous faire ça. Donc, nous avons beaucoup de place dans le Coran. Donc, maintenant, quand tu peux trouver ça, quand tu peux composer un poème, tout ça là, donc, ce n'est pas une affaire qui n'est pas facile pour faire. Mais alors, subhanallah, c'est lui qui finit faire langage, qui finit créer tout ben quelque chose. Je te connais, je te connais,
au niveau langage, quand je vais guetter sa courant, je vais analyser au niveau côté sur linguistique, côté sur grammaire, côté tout ce ben affaire qui est là, je viens de finir et ça vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Astéa, Allah ta'ala, un autre affaire qui dit, on ne pas comprendre Astéa. Quand nous guetter courant Astéa, façon qu'Allah ta'ala finit préparer. Demain, quand les mondes pour changer, par exemple, dans nous l'époque, nous finissons venir dans le monde scientifique, dans le monde technologie, mais là, une chose qui dit qu'on plus le Coran, le temps allait, le Coran est plus zen. Qui fait ça? Parce que le Coran, c'est parole à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus le temps qui allait, le Coran, là, nous trouvons que science, nous trouvons science une découverte, une extra grande affaire, science peut penser qu'il était, les fins découvertes, comment dire, les fins découvertes, les mondes, comment nous dire, mais c'est pas quand vous guettez qui arrivait. Tout le Coran finit à 1400 par année. Et dans beaucoup d'affaires, si on se redécouvre encore, le Coran finit à. Donc, quand nous causons concernant Miracles of the Quran, Scientific of the Quran, nous vous touchons. Nous prenons des exemples très rapidement. Parce que, juste là, nous ne pouvons pas causer un net temps. Nous prenons l'exemple. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, il est un français. Il est un chercheur dans l'égyptologie. Quand il peut faire ce ben recherche, le temps qu'il peut faire ce ben recherche, il trouve qu'il a découvert Pharaon. Et nous, tous un petit enfant, des petits petits, nous connaissons Pharaon Finmonoa. Il nous montre ça, nos belles enfants, belles histoires, quand ça sonne le Coran. Mais tandis que quand nous bouquons version les 10 commandements, la Bible, ben, nous autres qui se disent, nous vous trouvons que Pharaon retourne l'Égypte. Ça va être après cette version, parce que je te livre une falsifiée. Donc, qui est arrivé? L'idée, ben, comme Satan qui l'idée là. Il peut faire, et lui, il peut faire recherche le Pharaon, même dans Ramsès II. L'idée, ben, comme ça, nous finissons trouver une affaire qui personne n'a pas découvert auparavant. Vous allez quitter une découverte comme ça. Il dit comme ça, mais Pharaon, il m'a noyé. Qu'il y fait? Il fait une grande conférence. L'État lui fait une grande conférence. Hein? L'État lui fait dire comme ça. Ça veut dire qu'il fait ce découvert. Il dit comme ça, personne n'a fait une découverte. Ça. Un musulman, n'est pas comme ça, tu connais? Dans nos livres, là, dans le Coran, il dit 1400 barrières, c'est l'infini de dire ça. 1400 barrières, c'est l'infini de dire ça. Allah Ta'ala souvent en place, Allah Ta'ala dit comme ça, wa araqnahum, nous finissons noir les autres, Pharaon avec son peuple, nous finissons noir Pharaon. Il y a rien possible, c'est qu'il te veut dire. Il dit, mon année cassé ce qu'on en a mis. Qu'est-ce qu'il fait? Tant ça bien, c'est-à-dire. Premier, il y a Shahada. Deuxième, après là, 50 ans, il commence à prendre le Coran. Alif, Ba, Ta, Tha. Troisième affaire, Maurice Bucaille vient de Hafiz le Coran. Parce qu'il n'apprend ça pas conviction, il vient apprendre ça traditionnellement, culturellement, comme nous, ben musulmans, aujourd'hui. Parce que nous, qui fait, à cause nous, maman, nous, papa, musulmans, à cause ça que nous, non, nous, pas gagner sa conviction digne, fin couler, fin rentrer dans lesquels, fin transformer lesquels, il gagne ça, il trouve miracle courant devant lui. Comme ça même, Allah Ta'ala mentionne sur la hadith. Donc, Ferra que de gagner, Ferra, c'est sur dans les ciels. Nous avons un, je suis capable de taper le Google, mais un théorie qui appelle un nova, ou ça on appelle un supernova. Qu'est-ce que c'est ça? Quand une étoile pour grandit, arrive à une époque, les étoiles là, ils éclatent. Là, qui peut arriver sur une particule, ils ne parlent pas tout dans l'univers, là, qui peut passer par une météorite ou bien un astéroïde, un ou bien dès là-dedans, ils peuvent prendre direction la Terre. À la Terre, qui dit dans le Coran, dans le Hadith, wa anzalna al-Hadid, nous faisons descendre, à la Terre, nous faisons faire descendre pour les autres ferrailles. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إن الخوص غير دوب دو فيراي. Après ça, il y a une quantité bien fait pour l'insan là-dedans. Mais seulement quand il y a l'insan là, il n'y a pas qu'à sa tête. Et quand vous bougez bien, allez, il y a deux autres la case, il n'y a pas autour, autour des autres, vous trouvez. Pas pour tout, non, il y a deux autres la case, etc. Vous trouvez là, l'empreinte ferraille. Nous avons un locker en ferraille, un filing cabinet, nous avons une tablette en ferraille, nous avons un monde servi ferraille, un monde portable, un laptop, avion. Nous avons la table en ferraille, nous avons 16 en ferraille, dans la case pour viser un ferraille. Vous trouvez, quand la table dit comme ça, il y a la force réductable, il y a beaucoup de bénéfices. À la table, il y a beaucoup de bénéfices pour une salle. Et vraiment, exactement comme il était, gaz, tout un ustensile, la cuisine. Je vous trouve, il y a même un plat en métal, gobelet, etc. Je vous trouve, excepté, je vous trouve ça, pour tout. Nous prenons 10, dès l'exemple. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce miracle. Dans le Coran. Et bien, les affaires pour nous terminer, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, si donne le Rasoul choix à ce terme. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour donner un miracle, pour faire ce bien miracle, ou soit pas pour faire ce bien miracle? Là, il faut comprendre les affaires à ce terme. Allah ta'ala, il n'est pas cheap. Li. Ça veut dire, sa femme obligé de dire Allah ta'ala fait un miracle, il est obligé d'écouter moi. Ça haine. Il n'est pas besoin d'écouter. Ça veut dire Allah ta'ala pas de jeter l'importance. Ça prend mes affaires. Et l'autre affaire à ce terme. Quand je te fais manger, ben prophète, nous prenons ben prophète avant, quoi là. Quand je te fais manger la vie, ben prophète là, avec miracle.
Et ben, dis-moi, tu auras fait un miracle. Ah, ben, j'ai fait un miracle. Ça veut dire qu'elle avait juste mis mon propre projet, mettre à une position de force. Nous lire Sourate Maïda. Sourate Maïda, dernier passage. Tant qu'il y a Allah Ta'ala dit. Allah Ta'ala dit, pendant que tu peux faire, je peux demander à Isa alayhi salam pour lui descendre. Anzil alayna ma'idatan minas sama. Dieu Allah Ta'ala descend la table à manger. Ça même, Sourate 5, m'appelle Sourate Al-Ma'ida. Descend pour nous en la table à manger depuis dans le ciel. Risa alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, doit attendre qu'Allah ta'ala j'ai laissé moi avant de descendre sur la table. Allah ta'ala finit accepter. Allah ta'ala fait un deal avec eux. Et là, il dit bon, nous comprenons ça, deal là bien. Allah ta'ala dit comme ça, قال الله إني منزلها عليكم. Allah ta'ala dit avec Risa salam, c'est eux. Moi pour descendre la table à manger. Faman yakfur minkum. Mais c'est moi qui connais qui, quand vous finissez de descendre ça, la table à manger. Imaginez, nous vous amène iman. Quand vous descendez ça, nous vous amène iman. Celui qui peut descendre, celui qui peut faire couf pour mes yeux, fa inni uradhibuhu adhaban la uradhibuhu ahadam min al alamin. Jésus qui peut donner une qualité punition qui jamais mon puni du monde comme ça auparavant. Ça veut dire, pour depuis Issa, pour Adiska, Adam, alayhi salam. Et l'Iblika, il dit comme ça, effectivement, Allah Ta'ala, quand je ne pas finir mon iman, Allah Ta'ala finit transforme mes yeux en porc et en singe. Ça veut dire, là qui est arrivé, c'est qui, Rasoul Sassan, il connaît les affaires là. C'est qui, s'il peut accepter sa challenge qu'il peut faire là, pour une punition qui peut descendre. Et Rasoul qui était là, Rahmatullil Alamin. Lui, c'est lui qui a pitié pour Alamin, les autres. Même pour sa belle carafila, Rasoul Sassan, il a beaucoup, beaucoup pitié, il peut faire beaucoup, c'est ce qu'on appelle sobre. Il finit prendre beaucoup, beaucoup patience avec eux, et même avec ça qu'il finit faire, comment dire, il n'est pas fini, comment dire, relève challenge, relève défi là, qui peut faire zikr rahmat pour eux, parce qu'il connaît que je peux arriver, je peux gagner punition à Allah subhanahu wa ta'ala, à cause ça, qui n'est pas fini, accepter sa challenge là, et inshallah demain encore nous pour continuer, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdi, kana shalala ilaha ilaha, astaghfiruka, wa natubu 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 ilaha